Nous sommes très heureux d'accueillir cette édition 2018 de l'Aventura Cup qui va se rendre en Bolivie et au Chili. Alors, la Bolivie est une terre d'aventure qui attire beaucoup de personnes qui sont à la recherche de sensations fortes. C'est un pays, par exemple, qui a vu passer le Paris-Dakar. Mais là, nous sommes sur une opération extrêmement différente puisque ce sont des équipages entièrement féminins. Les concurrentes vont pouvoir découvrir des lagunes, des lacs salés, des volcans. Je crois qu'elles vont même s'aventurer à 5800 mètres d'altitude sur la plus haute piste du monde. Donc voilà, c'est beaucoup de courage et un grain de folie. C'est très sympathique. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, à l'arrivée, donc sur les bords du lac Titicaca, à Copacabana, pour faire le bilan de cette course qui s'annonce comme très, très, très passionnante. Première édition en Bolivie ou au Chili. Là, c'est du sérieux. C'est la Paz, el bordello. Mais c'est beau, c'est tout en couleur, alors c'est merveilleux et ça sent bon. Voilà. On branche GPS, radio en alimentation, on branche les antennes et voilà, on trouve la meilleure des solutions de façon à ce que ça gêne ni pilote ni copilote, que ce soit accessible et en faisant attention au matériel loué comme à notre propre matériel. Voilà. Voilà mon petit Eric, la voiture est prête. Ah, c'est notre voiture, c'est ouais, c'est la nôtre. Je suis donc en train de préparer les GPS pour les concurrentes. J'utilise des cartes SD que je mets dans les GPS, donc je remplis les cartes SD, ce qui fait qu'on aura toutes les informations utiles dans le GPS.